Nous sommes très heureux d'avoir été choisis comme partenaire de l'ANAP pour cette université de la performance en santé. C'est important d'associer les usagers en amont d'une université comme celle-ci, c'est-à-dire c'est quand même un travail où on va parler d'enjeux du système de santé et pas forcément facile pour les usagers citoyens de pouvoir complètement s'investir tout de suite sur le sujet. Et donc c'est important de les préparer par avance et de ne pas avoir finalement des usagers alibi. Les usagers ont leur mot à dire dans le système de santé et il faut travailler ensemble. Il est important de travailler sous forme de territoire et c'est bénéfique, je crois, pour notre système de santé parce que la réalité d'un territoire n'est pas la même qu'un autre territoire et on le voit bien aujourd'hui dans l'enjeu de la désertification médicale. Il y a beaucoup d'expérimentations qui naissent dans certains territoires et ces expérimentations, elles doivent se diffuser sur d'autres territoires et notamment nous sommes porteurs de ce message avec les unités locales que nous avons créées au sein du CIS Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, penser que le système de santé et les décisions dans le système de santé doivent se décider au niveau national et soit centralisé comme aujourd'hui on essaye de centraliser finalement l'organisation des associations du système de santé des usagers. Je pense que c'est une erreur parce qu'il faut que les réalités des territoires soient l'enjeu du système de santé.